la roue des explorateurs, c'est parti. Et salut, moi c'est Richard. Salut, moi c'est Franck. Et bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs tournée au Québec. Là c'est parti pour un road trip de 15 jours sur la route des explorateurs pour découvrir trois régions du Québec. Eh oui, l'Outaouais, l'Abitibi et les Laurentides qu'on aime tant. Et ça promet d'être mémorable. Et en plus, cette fois-ci, on emmène nos potes blogueurs Chloé Clem et Refuse to Hibernate. Et là, tout commence à Montréal. On vient de récupérer nos trois jeeps. Et puis là, on est chez Windigo Aventure qui va nous fournir tout le matériel de camping parce que ça va être une aventure épique et sauvage au cœur de la nature. On est en train de quitter Montréal et on a dit bye bye à nos potes, mais on va les retrouver très très vite. Nous, c'est direction Saint-Eustache. Et bienvenue à Saint-Eustache, première étape sur cette route des explorateurs. Là, on est dans les Basses Laurentides avant de rejoindre l'Outaouais. Et du coup, c'est une petite étape bien agréable, surtout pour ceux qui s'intéressent à la culture et au patrimoine. Ça tombe bien, c'est la thématique de notre itinéraire. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Une histoire de bataille entre des patriotes et l'armée anglaise. On ira voir tout à l'heure l'église qui a été l'un des champs de bataille. On va déjeuner aussi ici. Et puis, on peut admirer dans toute la ville, dans toutes les petites ruelles, des fresques qui racontent justement l'histoire de la ville de Saint-Eustache. Première pause gourmande sur la route des explorateurs et on teste Noir et Blanche. C'est un restaurant et microbrasserie. On va tester une bonne bière et on continue à manger des bonnes poutines. Direction l'Outaouais. Et ce qui est assez drôle sur la route, avant de récupérer l'autoroute, c'est qu'on est passé près de la maison Lavande qu'on avait découvert il y a pile poil un an. Et d'ailleurs, on t'invite à retrouver notre vidéo là, ou là, je sais pas, tu vas trouver. Et pour notre première nuit en Outaouais, on dort ici au château Fairmont Montebello. Alors ils aiment à dire ici que c'est une cabane, pas n'importe quelle cabane, hein, c'est la plus grande cabane en bois rond du monde. C'est vraiment gigantesque, c'est d'inspiration suisse. L'édifice a été construit en fait en 1930, il aura fallu seulement 4 mois. Oui, mais 3500 hommes et 10 000 troncs de cèdre rouge quand même. Hein. Impressionnant, non? Sur la route des explorateurs. Et oui, après une superbe nuit à Montebello, et ben on est arrivé à Gatineau, juste en face en fait d'Ottawa. Et là, on va commencer par le musée national canadien. C'est parti. Passionnant avec tous les éléments qu'il abrite, on en apprend vraiment énormément sur l'histoire du Canada et des peuples premiers, mais aussi c'est l'architecture du bâtiment qui nous interpelle. Là, regardez dans la salle des maths totémiques, en fait le plafond représente un canot, les piliers qui ceinturent la salle représentent en fait les pagaies, le sol c'est l'océan Pacifique, puisque finalement tous les maths totémiques qu'on voit ici proviennent de Colombie-Britannique, donc vraiment à l'ouest du Canada. Et juste derrière, les maisons reconstituées des tribus, des clans, des peuples premiers. Vraiment un musée passionnant qu'on vous conseille.